vindo da Vieira da Silva, sabemos que é desde cedo um mundo de deslocações, de viagens, e no duplo sentido até. A viagem interior, que leva ao mundo de imaginação contínua e de memorização, e viagens geográficas, que fazia desde muito cedo com a família. A mim dá-me a ideia que quando a Maria Helena parte para Paris, leva já com ela, embora não em estrutura expressiva, mas leva já com ela o mundo, que mais tarde, por um encontro maior consigo própria e pelo encontro com o Arpad Chenez, conseguirá levar à expressão enorme, que é a expressão da sua própria pintura. Há um encontro importante, e que não é só importante para nós, é importante para considero eu, toda a cultura europeia, que é o encontro de, digamos, duas raças. Uma Maria Helena, que sai, digamos, de uma Europa meridional, de uma luz meridiana, em busca de estrutura, de um espaço de água, de espelho, de multiplicações, ainda em busca de si próprias, e um homem como Chenez, que vem, representa, e em alto grau também, uma cultura da Europa Central, de florestas, de estrutura, de real estrutura, que a Maria Helena buscava, talvez ainda sem a ter, embora no espaço restrito do ateliê da Maria Helena estejam para mim já cifradas todas as posteriores conquistas da sua visão do mundo. À cette époque, seulement Paris qui existait dans les cœurs et dans les têtes des Hongrois, c'est là qu'il y a le cubisme et toutes ces choses, et surtout Cézanne. Alors moi aussi, je suis venu à Paris. Et puis, c'était la vie, même comptait peut-être plus que la peinture, parce qu'on sentait quelque chose dans l'air, une agglomération des jeunes gens doués, ambitieux et inquiets. Mais il y avait un mystère, il y avait une beauté, il y avait une odeur, un parfum de l'art moderne qui était extraordinairement valable pour un jeune peintre. Enfin, sur la peinture, parler proprement dit, la peinture peinte, c'est impossible. Je me rappelle un jour, j'étais dans mon atelier de Paris et un monsieur est entré. C'est un japonais. Il m'a donné la main et il a dit « ça va ». Et j'ai dit « ça va ». Après, il m'a donné une lettre que M. Sava, directeur de musée de Tokyo d'art moderne, aimerait connaître votre peinture et celle de votre femme. C'est difficile la peinture. Surtout quand le camarade est derrière mon dos. Parler, c'est pas peindre. C'est difficile parler, peindre. Ça, c'est un art différent de parler de peindre, non? Enfin, j'étais souvent très content de mes paroles. Et après, quand j'ai entendu à la radio quelque chose, je trouvais très bête. Un peintre devra parler le moins possible. Enfin, qu'est-ce que vous voudriez que je parle? De quoi? De l'amour, de la peinture, des aventures? Je suis un trésor inenfroyé, enfroyé, comment dit-on, parce que toutes ces choses, j'ai vécu, m'amusé, souffré, mais parlons plutôt de moi maintenant, oui.
Qu'est-ce que je peux dire? Je suis venu à Paris, comme je vous ai dit, déjà en 25. Mais avant de venir à Paris, j'ai eu, par un oncle, la chance d'avoir des billets aller-retour pour l'Italie et pour l'Allemagne. J'ai commencé par Autriche même. J'étais à Vienne la première chose, ça semblait merveilleusement poétique, mais anti-dynamique. Anti-dynamique parce que toute cette merveilleuse Vienne était déjà sans corps, seulement une immense tête merveilleuse. Mais alors j'aimais beaucoup cette charme de Schönbrunn, des grandes avenues, des belles viennoises. Mais après quelques mois, ennui mortel. Après, je suis allé en Allemagne. Et là, la chose m'a tellement plu. C'était l'époque de Sturm und Drang, de grande époque de Bauhaus. Il y avait un Hongrois très fameux, Moholy. Et toutes ces gens clés, surtout, m'ont capté tellement. Mais quand je l'ai un peu connu et leurs idées, je trouvais trop théorique et trop germanique pour mon goût. Ce n'était pas ma faute. En tout cas, je suis resté à Berlin voir des merveilleuses choses, surtout Nefertiti et tant de choses égyptiennes. Pas la peinture autant. Après, je suis rentré et l'année prochaine, je suis allé en Italie. Alors, ça, c'était le paradis. Mais un paradis que je voulais perdre. Parce que pour la peinture, c'est une chose tellement statique et ancienne. Une poésie inimaginable, mais une poésie tuante, immobilisante. Alors je suis rentré, puis troisième fois, j'ai reçu comme avertissement, encore je te donne un billet, mais tu es déjà assez vieux con, débrouille-toi. Et les peintres, c'est une histoire très connue, se débrouille seulement après 70 ans. Alors il fallait avoir un peu de patience. Alors, Italie surtout, Florence, Rome, j'ai fait des fresques après Raphaël, des fresques de Raphaël au Vatican, j'ai copié un peu. C'était merveilleux comme étude pour devenir moderne plus tard. Alors je suis rentré de nouveau et je suis allé à Paris. Et là, je ne voulais plus sortir. Et les peintres, après un certain âge, ne doivent pas trop voyager. Alors, je scrute mon passé, c'est un peu troublant, parce que je me rappelle beaucoup de choses, parce qu'on m'a parlé tellement dans ma jeunesse et plus tard que tu as fait ça à telle et telle époque. Alors, ça reste plutôt un roman de ma jeunesse, sur ma jeunesse, sur mes premiers tâtonnements dans l'art et dans cette espèce d'obsession. Toujours dessiner, me dessiner, surtout mes parents. J'aimais beaucoup le livre de cet anglais avec Alice. Alors j'ai joué avec le crayon et avec le miroir qui m'a donné mon compagnon de l'autre côté du miroir. Et dans l'autre cour, il y avait une jolie petite fille, naturellement un peu plus âgée parce que à cette époque-là, j'aimais des dames plus âgées que moi. Quand j'avais 12, 13 ans, je préférais 15 ou 16 ans. Mais j'ai habité ici quelque part, et ces maisons, c'est typiquement Budapest. C'est un mauvais baroque, mais quand même très vivante, merveilleusement vivante. Laissons mon passé, pas assez héroïque pour en parler plus. Il y a trop de scènes pour faire l'histoire surtout, mais il y a tout un journal de notre vie par des dessins. Mais quand je suis venu à Paris, quand je dessinais ma femme, Chamada Bichou, ça, c'est très romanesque, même, parce que j'ai trouvé le soir même de son arrivée. Elle est arrivée quelques heures. Elle est allée déjà faire des croquis à l'Académie Grande Chaumière, où nous avons tous les deux dessiné. Et moi aussi, je suis allé là faire des croquis.
J'ai remarqué un mec, une étrangère, parce que j'ai connu presque toute la clientèle là. Et alors j'ai vu un visage extraordinaire avec les yeux tellement ouverts et tellement enfantines. C'était vieille. Et puis peu à peu, on commençait à parler parce qu'elle était toujours derrière moi. Elle aimait mes dessins, comme elle dit encore aujourd'hui, et puis elle est venue voir parce qu'elle était toute jeune, j'avais 11 ans de plus. Alors c'est le commencement de notre mariage que j'ai vu le premier jour. Je suis resté peut-être 2 semaines à la Grande Chaumière et j'avais des embêtements féminines avec une femme qui était maladivement jalouse et qui voulait tirer sur moi. Et j'ai dû, d'une soirée à l'autre, quitter Paris. Alors quand je suis revenu après un an, le même jour on se rencontrait de nouveau. Et une semaine après, on était fiancés. Alors la fiançaille, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est écrit. Exactement là. Fiancé. Parce que maintenant, je ne sais pas déjà si j'étais même fiancé, c'est si loin, près de 50 ans. C'est comme nous ne pouvons pas imaginer que nous n'étions pas nés. Aussi, c'est très difficile d'imaginer, après 47 ans de mariage, qu'on était seul. Pourtant, j'avais la solitude le plus dure. Parce que j'étais exilé volontairement en France, très pauvre volontairement et très timide. Alors, 3 choses, c'est un peu trop. C'est un peu comme les 3 choses de Portugal. Colonie perdue, crise générale et changement de gouvernement. C'était à peu près moi, les mêmes crises personnelles. Mais toujours je viens une solution, mais justement, merveilleuse solution, c'était ma femme. Il y a aussi des dessins de ma femme que j'ai fait tout de suite après notre mariage. Mais en général, je suis rentré de mon atelier, même un peu fatigué, mais en la voyant dessiner ou peindre, quelquefois j'ai eu besoin de dessiner. C'est un modèle, une chose très intéressante. Ces dessins de Arpad Sénès, je les ai vus faire il y a longtemps, quand j'ai commencé à connaître Vieira et Arpad, dans l'atelier du boulevard Saint-Jacques, mais aussi rue de l'Abbé Carton, quand on a commencé à faire construire la maison. Au fond, Arpad travaillait de son côté toute la journée, et le soir, il venait s'installer dans l'atelier de Vieira. Vieira travaillant, devisant, mettant un disque, écoutant de la musique, et moi-même auprès d'eux, en train de commencer à mettre en ordre les archives de la maison, et Arpad, très naturellement, pour passer le temps, pour veiller Vieira également, commençait à dessiner. Et c'était Vieira, bien sûr, toujours travaillant, mais c'était aussi l'atelier, la table chargée, les pinceaux. C'était tous les objets qui entouraient Vieira et qui créaient son atmosphère, qu'il recueillait amoureusement, tendrement, comme sont les relations qui existent entre ces deux individus, ce célèbre ménage.
dérange? Peut-être. Tu viens, chérie. Mm-hmm. Commençons par une Beijing. Alors, tu vas, on me laisse ici avec toutes ces passés et rien de futur. Tu vois, tu te rappelles cette époque? Oui. Où était ça? Tu te rappelles plus moi non plus? Ou déjà la nouvelle le nouvel atelier? Ou c'est encore Boule Saint-Jacques? Mais il me semble Boule Saint-Jacques. Oui. Plutôt, oui. Alors ça, c'est du Brésil. Oui. Cet œil-là, c'est tout à fait vous, madame. Partout, je crois que je n'ai pas fait autre chose dans ma vie que ton portrait. Quelle folie! C'est pas une chose ridicule qu'un mari ne fait que les portraits de sa femme. Hmm? Réponds. Non, mais faut pas rester allumé. Ah, j'ai allumé, ma chérie. Je me défends. C'est agréable, une petite chaleur. C'est joli cette fenêtre ici. Merveilleux. Il fait beau, je vous n'est-ce pas? Oui, et le coq est à l'ouest. À l'ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Pluie. Pluie? Oui. Et en dehors de pluie, quoi? Froid ou chaud? Tiède. Bon. Tiède. Tiède. Mais ça peut changer. Oui, parce qu'il est un peu au nord. Il est nord-ouest. Alors, il faut s'arrêter? Non, il faut continuer, non? On ne peut pas parler sans émotion du couple Viera et Arpad. Moi-même, je les ai connus au moment où ils avaient déjà deux ateliers séparés. Mais il y a eu une longue période dans leur vie où ils ont partagé le même atelier. Et je crois que, à ce moment-là, Arpad a été, pour ainsi dire, le troisième œil dans la peinture de Viera da Silva. C'est très curieux d'ailleurs, dans l'histoire de l'art, je crois qu'il n'existe pas d'exemple de ce genre. Deux peintres qui sont foncièrement très 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 proches et qui à la fois sont très différents. Il y a une très curieuse osmose qui fait que chez ces deux êtres, le lien de la peinture a été profond comme jamais. Moi aussi, les grands. Et ce qui est encore plus curieux, c'est l'identification que je sens moi-même chez l'un et l'autre pour la peinture du conjoint. Arpad, quand il m'est arrivé que Viera me montre de ses propres tableaux, il réagit avec la joie de l'auteur du tableau. Et de même, Viera, à l'exposition d'Arpad il y a un an au musée de la ville de Paris, eh bien, Viera se sentait comme à son propre vernissage. J'embrasse toute la famille. Je vous remercie. Au revoir. Vous ne vous avoir pas connu, reconnu. Merci. Alors, à bientôt. J'espère exposer à Bordeaux pour vous faire plaisir. À vous ah, aussi. Ben, écoutez, ce sera avec joie. Hein. Nous avons beaucoup d'amis à Bordeaux. Je dirai à mes amis bordelais. Ben oui. Au revoir. Au revoir, madame. Pour moi, ils sont un exemple vraiment de deux personnes faisant une seule. Et je crois que la présence de l'un à côté de l'autre a été très profitable, très bénéfique
aussi bien pour Viera que pour Arpad. Sans compter que chez Arpad, je sens aussi une attitude de l'aîné envers quelqu'un de plus jeune à côté de lui. Et comme si Arpad avait porté dans ses bras Viera da Silva peintre. Tu te détends parce que je n'ai pas besoin de toi ici. Enfin, sans cinéaste, quelle merveille, bichou, n'est-ce pas? Si le succès d'Arpad Sénèche est arrivé plus tard, je crois que c'est un peu parce qu'il a porté en lui la peinture de Viera da Silva aussi. Chez Viera da Silva, le lien entre son propre pays et sa peinture, à mon sens, est très fort. J'en ai fait l'expérience moi-même quand je suis allée voir son exposition à la Fondation Gulbenkian il y a un certain nombre d'années. À ce moment-là, je ne connaissais pas le Portugal. Mon but était de bien étudier l'exposition car je devais écrire un livre sur Viera da Silva et en même temps suivre les traces où Viera da Silva était passé. Lisbonne a été le lieu de son enfance. J'avais quelques points de repère. J'avais, par exemple, le pont Eiffel d'où on domine une partie de la vieille ville. L'espace de Lisbonne, à cet endroit précis, est un espace syncopé, un espace coupé, un espace qui perd sa rassurante planitude, où brusquement les maisons montent sur des hauteurs pour descendre aussi brusquement. C'est une ville construite sur un espace inquiet. Je pense donc que la structure même de Lisbonne, cet espace, on le retrouve transposé dans la peinture de Viera da Silva. Er blieb. Er war schlicht und lieb. Sans parler de cette insistance sur la forme carrée, la forme qui revient obsédante, puisqu'il y a des maisons entières, des façades entières qui sont recouvertes de ces petits azulejos. Eh bien, l'obsession de la forme rectangulaire et la répétition d'une même forme est un élément très typique de la peinture de Viera da Silva. Certainement, son enfance n'a pas été comme celle des autres enfants. Les deuils successifs dans une famille qui était assez éprouvée par les événements, l'inquiétude aussi de ce pays tel qu'il a été pendant l'enfance de Viera da Silva. En somme, tout un terrain d'une extrême sensibilité a été créé chez Viera da Silva et ce fond, à mon sens, est portugais. Quand eu nasci, já havia telefone, já havia cinema, já havia muita coisa, já havia automóveis. Em todo caso, eu sabia que isso eram coisas muito recentes, já havia aviões, mas eu sabia que era tudo isso muito recente e eu era muito sensível a todas essas coisas. E a arte moderna eu ligava à vida nova que se estava a formar e que depois acabou numa grande tragédia que foi a Guerra de 14. Mas antes da Guerra de 14 eu já tinha uma noção dessa mudança muito grande que era a vida, enfim, aquilo que tinha acontecido durante a juventude da minha mãe e que já existia quando eu nasci. Não é o telégrafo, o telefone, mas eu tinha consciência que tudo isso não era... que era muito recente e que essas coisas ainda estavam a ser aperfeiçoadas e a fotografia e tudo, e tudo, e tudo. Estou muito frustrada hoje. Não sei. Ela veio para aqui, mas fugiu.
quando eu vim para IEF, gostou muito a pintar a mulher. Tinha a impressão de Paris que me fazia falta. Que era muito bonito, que era grandioso, que era maravilhoso, mas Paris que me fazia falta. Tive muita dificuldade por isso. Porque agora já estou habituada, mas gostava muito. Talvez porque era uma... Era esta arquitetura, a igreja, o castelo, tudo isso, parecia-me tão forte. Mesmo a casa, estas vigas, estas pedras, tudo isto era tão forte que eu sentia-me sem forças. Diante de uma tela, tudo me parecia tão fraquinho, tão frágil, sem densidade nenhuma. E nesse sentido, talvez fosse bom para mim. Mas diante destas coisas todas, eu sentia-me... Ao princípio, estas madeiras rugosas, estas coisas ásperas, tudo isto me feria um pouco. Eu sentia-me um pouco... Mas os ateliês têm que ser sóbrios, de toda a maneira. Para a gente não se distrair. Mas, ao princípio, eu pintei muito naquele ateliê pequenino e as pedras estavam naturais, não tinham sido pintadas. E aquelas pedras todas à minha volta, eu olhava depois para o quadro e achava que o quadro que não tinha realidade nenhuma ao pé daquelas pedras, ao pé daquelas madeiras. E esta arquitetura que é tão grande, tão simples, tão grave, e, sobretudo, quando a gente passei à noite em Eve, sem lua, sem luz. É uma coisa formidável, mete medo. Mete medo. E depois ouve-se um mocho no castelo. Parece as almas do outro mundo andam por aí, à solta. Dizem que há muitos túneis que ligavam Lievre a Pithiviers. Quando a gente vive aqui, pensa muito na morte. O resto do cemitério é muito bonito, de maneira que dá muita ideia da morte. Faz pensar muito na morte, esta fé. Je crois que on éprouve un très grand plaisir en regardant la peinture de Vieira da Silva de très près. Et il faut la regarder de très près, car chaque détail compte. Et ce qui est très curieux, c'est de voir comment se présente ce travail. Je n'ai jamais vu Vieira peindre. Et je crois que pour elle, l'acte de peindre demande une énorme concentration. Et toute sa force, à ce moment-là, semble concentrée dans le poignet. Il y a une extrême tension que l'œil, quand il regarde de près, perçoit dans chaque ligne. Même s'il y a un tout petit pinceau qui a tracé un trait, je ne sais pas, d'un tiers de centimètre, j'entends quelques millimètres de peinture qui viennent se poser, eh bien, ils sont commandés par un poignet extrêmement tendu. Certainement, Vieira da Silva occupe une des premières places dans la peinture contemporaine. À quoi reconnaît-on un peintre de tout premier plan? Eh bien, pour être brève, je vais m'en tenir seulement à deux raisons. On le reconnaît dans sa manière de personnaliser son propre style. Je veux dire par là d'être lui-même dans tous les moyens d'expression de la peinture. C'est le cas de Vieira da Silva. Et puis, une seconde chose, là, je parle peut-être un petit peu en historienne de l'art. La peinture se renouvelle, si on la regarde dans les longues périodes de l'histoire, toujours à travers la structure de l'espace. On passe d'une certaine représentation à une autre. Eh bien, si on s'en tient à l'élément de l'espace,
Chez Vieira da Silva, il y a des solutions absolument originales, en ce sens que l'espace est présent et absent à la fois. Des éléments de la peinture, comme la ligne, qui normalement servent à cerner, à définir une forme, chez elle, sont employés afin de l'oblitérer, de la faire disparaître. L'espace chez elle devient à la fois présence et absence. Et si nous voulons parler en termes du XXe siècle, c'est déjà l'espace-temps. C'est l'espace tel que nous le connaissons depuis Einstein. En pensant à cette force du poignet, à cette souplesse du poignet que l'œil découvre à travers la peinture, je pense aussi à un élément biographique de Vieira. J'entends son grand amour pour la musique. La musique, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a des mouvements de tension et de détente. Je crois savoir que souvent, en travaillant, elle écoute de la musique. Et il y a constamment dans sa peinture un rythme très tendu et très syncopé à la fois. Eu nem sei começar. Eu soube esta, é uma gavotte com 5 variações, 5 ou 6 ou 7, não sei. E eu sabia toda de cor, mas já foi há tanto tempo. Thank you.
que je commence par Marot, qui est une histoire assez amusante. Pas seulement amusant, mais étonnant, parce qu'on n'a jamais pensé à une chose si évidente, si, qu'un de nous fait des plaines, des tableaux, pas un millimètre, un dixième, un centième, qui peut être la toile, tout est peinte avec des tout petits éléments, quasi microscopiques, et l'autre balaye tout, et il y a une très grande, presque néant de simplicité. Que nous sommes des gens tout à fait opposés, selon Marot. Mais c'est naturel aussi, parce que moi, je suis né près des Pustas, en Hongrie, qui sont des déserts immenses. On voit seulement les Fata Morgana, des choses qui paraissent dans le ciel. J'ai vu une ville blanche au ciel de Pustas, qui est exactement comme une ville blanche de ma femme qu'elle a fait 40 ans après que j'ai vu ça. C'était très curieux. Alors, Portugal, c'est peut-être très drôle et paradoxal, mais c'est ce qui m'a influencé le plus dans ma peinture. Parce que dès que j'ai vu la mer portugaise, et surtout la mer près de Lisbonne, où je suis allé le plus souvent, toutes ces plages extraordinaires avec une lumière inimaginable, je suis devenu une paysagiste des mers et des nuages qu'il n'y avait pas en Hongrie. En Hongrie, il y avait le merveilleux Balaton, mais c'est quand même un succursale de la mer Atlantique. Mais pendant la guerre, quand on est allé au Portugal juste un jour avant la guerre, et puis on a eu peur d'une invasion des Allemands, et aussi on a eu peur de rester dans un petit endroit qui était tellement agréable, mais qui pouvait devenir un camp de concentration de luxe, parce qu'il y avait aussi une obsession des Allemands, d'où pour ou contre, et ça nous avons trouvé ça très angoissant. Et puis aussi, ma femme a dit, le Brésil, c'est l'œuvre du Portugal, et qu'elle veut voir ce qu'il a fait au Portugal au Brésil. On est allé dans un moment que les Brésiliens n'étaient pas du tout gentils avec des Portugais. Il y avait certains malentendus. Et on n'était pas tellement bien reçus comme Portugais, plutôt comme artistes et comme l'école de Paris. On n'a pas pu gagner de sous même avec l'art. Alors, quand je suis sorti seulement en 1947, parce qu'en France, j'étais surtout à Paris, et c'était plutôt côté révolutionnaire dans l'art, la pensée dans l'art qui est très important. Et alors, c'est quand même dans ça, c'est Paris qui est inégalable, mais ils n'ont pas très bien compris, nos amis, que je quitte un pays en pleine évolution pour un pays décadent. Eh bien, je connais Gerard de Silva depuis 1950, et c'est une voisine, et quand ils sont partis, ils m'ont cédé leur atelier. C'était beau, il y avait toujours des plantes vertes. Enfin, l'atmosphère était une atmosphère de travail, de concentration. Je ne sais pas, elle a quelque chose de particulier, comme toute personne qui a vraiment une très grande personnalité. Elle est très intérieure, et bon, son atelier était très sympathique. Je suis venue parfois. C'était plus sombre que celui-ci.
mais elle était très riche en couleurs. Elle avait ramené des tas de choses de tous les pays qu'elle avait visités. Et enfin, je trouvais que c'était... Je pouvais l'appeler l'atelier du silence. Les relations de Pierre da Silva avec la galerie Jeune Bûcher ont une très longue histoire puisque dès les années 30, les contacts étaient établis et quand on se trouve devant un marchand de tableaux, on pense immédiatement au marché de Pierre da Silva et au marché des artistes en général. Depuis le début, un certain nombre de maquettes de tapis et de tapisserie étaient mises en route dès les 25 ans de Pierre da Silva. La publication d'un livre pour enfants qui s'appelait Coeco, les deux Esquimaux, a été la première réalisation de la galerie Jeune Bûcher et de Pierre da Silva ensemble. Ça a été aussi l'occasion de la première exposition de cet artiste à la galerie et dans le monde. Depuis, les relations ne se sont pas interrompues. Ce qui est assez merveilleux dans le cas de Pierre da Silva, c'est que déjà autour de ses 25 ans, les relations étaient très établies et très nettes. Et depuis ce moment-là, la fidélité, qui est un des caractères principaux de Pierre da Silva, ne s'est jamais démentie. Les travaux se sont ensuite développés normalement. L'œuvre s'est faite lentement, avec une très grande conscience. Et la prochaine exposition de Pierre da Silva à la galerie a lieu en 1937. L'interruption de la guerre a empêché d'autres réalisations d'exposition jusqu'après le retour de Pierre da Silva à Paris. Et nous avons recommencé le cycle à ce moment-là avec moi en 1947. Ce qui est important, je crois, dans ce contact avec Pierre da Silva, ce qui est merveilleux dans le contact avec Pierre da Silva, c'est de se trouver en face d'un peintre plein d'exigences, plein de rigueur pour lui-même et plein de fidélité vis-à-vis de son public et plein d'ouverture. Il est rare, je crois, de trouver quelqu'un qui soit aussi consciencieux, aussi juste, aussi sévère, aussi profond, aussi responsable de sa peinture. À certains moments, elle a souhaité ne pas voir certains élans spéculatifs se développer d'une manière trop précise. Nous avons donc freiné son marché pour que les possibilités d'achat de son œuvre soient ouvertes vers les véritables amateurs et non pas vers les banquiers ou vers ceux qui cherchaient à conserver des œuvres ou à engranger des œuvres d'une manière trop brutale. Je crois qu'un tableau a besoin d'être aimé. Je pense qu'un tableau termine par sa vie en sortant de l'atelier ou en sortant de la galerie. Il commence sa vie à ce moment-là et c'est ce choix du client ou de l'amateur qui, à notre niveau, est absolument essentiel. Nous avons le devoir de favoriser ceux qui aiment vraiment l'œuvre et qui ont besoin de l'œuvre. Les rapports avec Arpad sont des rapports tout aussi merveilleux. Heureusement, dans cette période actuelle, Arpad a pris une plus grande considération de sa propre qualité et reprend maintenant le sentiment de travailler davantage. Ça me paraît important aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Vous voulez continuer? Que je signe ici aussi? Très bien. Falar daquilo que para mim é fundamental. O poema chama-se Maria Helena Vieira da Silva ou O Itinerário Inelutável. Minúcia é o labirinto, muro por muro, pedra contra pedra,
livro sobre livro, rua após rua, escada após escada, se faz e se desfaz o labirinto. Palácio é o labirinto e nele se multiplicam as salas e cintilam os quartos de Babel roucos e vermelhos. Passado é o labirinto, seus jardins afloram e do fundo da memória sobem as escadas. Encruzilhada é o labirinto e ante lhe gruta biblioteca, rede, inventário, colmeia. Itinerário é o labirinto, como subir de um astro inerutável. Mas aquele que o percorre não encontra toiro nem solar, nem sol, nem lua, mas só o vidro sucessivo do vazio e um brilho de azulejos, ímã frio, onde os espelhos devoram as imagens. E exauridos pelo labirinto caminhamos na minúcia da busca, na tensão da busca, na luz mutável. De quadrado em quadro, encontramos desvios, redes e castelos, torres de vidro, corredores de espanto. Mas um dia emergiremos e as cidades da equidade mostrarão seu branco, sua cal, sua aurora, seu prodígio. A Sofia veio-me ver e pediu-me para fazer um desenho para festejar 25 de Abril, ou um cartaz. E ela falava-me na rua, ela queria que eu fizesse um cartaz com as pessoas na rua. E depois fui-se embora e eu comecei a fazer um cartaz. E quando o fiz, eu gostei, mas ao mesmo tempo disse, mas isto é muito abstrato, ninguém compreende o que eu fiz, vou fazer outro. E depois fiz um outro com uma rua e com pessoas a andar na rua e os soldados e os cravos encarnados. E depois a Sofia voltou e viu o cartaz e disse-me, mas está muito bem o seu cartaz, o primeiro está muito bem, é exatamente, foi no Largo do Carmo que as coisas se passaram. E então aí eu disse, mas no fundo, mas é verdade, porque eu quando li os jornais só vi o Largo do Carmo, mas eu tinha-me esquecido. E ao mesmo tempo eu conheço muito bem o Carmo, é um dos sítios de Lisboa que eu conheço melhor. Eu disse, mas é que curioso, eu não via. E no fundo era o que eu trazia em mim, na cabeça, pelas coisas que eu tinha lido nos jornais. E depois então ela levou os dois cartazes e a Clubeitana editou os dois. Vamos ver o que está a fazer o armário. Depuis quelques ans, je suis un peu triste parce que je fais presque plus de dessins. Mais quand j'ai fait le plus de choses abstraites, que je suis rentré le soir, il n'y avait pas de lumière dans mon atelier. J'étais encore très excité du travail et j'ai vu ma femme travailler. Alors je commençais à dessiner, dessiner, dessiner. Où il y avait tous mes problèmes, des tableaux déjà abstraits, et en même temps une espèce d'excitation de la nature, ma femme que j'aime, chaque mouvement, comment elle peint avec son doigt, quelquefois comme ça, toutes ces choses, j'ai tellement perpétué. Tout simplement, j'étais, et je suis toujours un figuratif, mais qui cherchait dans sa figuration qu'il devient le plus peintre possible. Peinture possible, ça veut dire sans anecdotes, sans des petits détails inutiles. Et peu à peu, ah bonjour chérie, comment vas-tu? Tu veux voir ce que je fais ou tu veux entendre ce que je fais? Entendre ce que tu dis? Oui, parce que ah, tu veux entendre ce que je dis. Alors, forcément, ma peinture est plutôt les portraits de Vieira, ça veut dire naturellement des intérieurs, des paysages, seulement en travaillant beaucoup d'années avec une ambiance plutôt abstraite, la France et la lumière merveilleusement équilibrée, j'arrivais à une certaine limite de
figuration. Et ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, que ma figuration à la fin est complètement invisible pour les autres, pas pour moi. Mais je sentais à ce moment-là qu'il faut que je me retrempe dans la nature. Même Vieira, qui est beaucoup moins souvent fait des choses un peu réalistes, elle a eu des périodes qu'elle faisait des portraits, qu'elle dessinait des natures mortes, et surtout quand on était en dehors de Paris. Parce que Paris a une force pour que tout le monde devienne l'école de Paris. Mais ce qui m'intéresse dans la peinture, une certaine vérité, une certaine nature que j'ai rêvé dès mon enfance, mais qui devient la peinture plus pure possible. Naturellement, une peinture ne peut pas être très pure parce que alors on devient mondrian. Et c'est un peu desséchant pour ma nature. Et toi, Bichou Dragon, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ta peinture? C'est un peu la même chose. Maintenant, je vais dire une chose très déplacée. Mais hier, je pensais, il y a une chose, vous savez ce qui m'a beaucoup influencée dès mon enfance, les abeilles. J'ai beaucoup réfléchi au travail des abeilles et je me considérais un peu une abeille. Parce que les abeilles prennent certaines choses qui leur conviennent pour faire leur miel. Et moi, je pensais aussi, que tout ce que je vois autour de moi, je dois choisir, n'importe quoi, mais je me suis toujours sentie un peu abeille. Mais tu sais, tous les peintres sont un peu abeilles, parce qu'il y a même une façon d'exprimer que ça, que l'artiste aime uniquement ce qu'il peut manger, dans la peinture, dans tout. Il ne peut pas du tout, en principe, entrer dans une chose qui lui est éloignée, qui est une autre rive, tu comprends? Enfin, nous nous regardons quand même tous les jours, on a un contact. Mais nous sommes ensemble et en même temps, on a pris une technique déjà, se presque pas voir. Mais... Ah, je viens, mais il cache tout, il dit ne regarde pas, c'est mauvais, ne regarde pas, c'est mauvais, alors ça me décourage. Quelquefois, je lui porte un verre d'eau, il fait une grimace. Et quelquefois, il ne boit pas le verre d'eau. Je dois rester là comme un gendarme pour qu'il boive un verre d'eau. Tous les deux, nous venons régulièrement. Oui. Elle vient plutôt m'observer que je ne sois pas très fatigué, mais en même temps, un œil très gentil sur mes choses. Et moi, je vais l'admirer de temps en temps et donner un bel gigne. Eu não gosto de pintar de diante de gente, porque dá uma ideia falsa. Não é verdade. Eu pinto todos os dias de uma maneira diferente. Um dia pinto assentado, outro dia pinto em pé, outro dia começo de uma maneira, outro dia começo de outra. Dá uma ideia falsa do que é a pintura. E além disso, eu não posso pintar bem em público.
Viera, pour elle, l'atelier, c'est un lieu, au fond, sacré, si l'on peut dire. Peut-être sacré n'est pas le mot, mais c'est c'est son refuge, en tout cas, sa coquille. Et j'ai eu le privilège de voir Viera travailler en différentes circonstances, à différentes époques de sa vie. Et il n'y a pas de règle générale avec Viera, il n'y a aucune règle générale en quoi que ce soit d'ailleurs. Mais je l'ai vue parlant et travaillant, continuant à travailler. Je l'ai vue dans un flot de musique et portée par la musique, travaillant toujours. Je l'ai vue s'arrêter brusquement pour prendre un livre, se détendre. Mais je l'ai vue aussi pendant des heures, tendue devant sa toile, arrêtée, fixe, concentrée, ne vivant que parce que ce qu'elle faisait, la touche qu'elle allait apporter, le trait qu'elle allait ajouter, et tout le reste du monde était complètement évanoui. Michou, chérie, c'est vrai, Michou, que tu voulais pas du tout poser et parler avec les cinéastes? Pourquoi? Tu sais, ce n'est pas vrai. Peindre en public, ce n'est pas vrai. Oh, écoute, ma chérie, alors quand nous étions boulevard Saint-Jacques, il y avait toujours un cours de miracle chez nous et tu travaillais avec eux. Je peux plaindre avec beaucoup de gens devant moi, mais pas derrière moi. Mais moi non plus, j'aime surtout les filles devant moi. Et moi, les chats, je pourrais plaindre en tous les chats. Dans toutes les choses. Mais enfin, une fois exceptionnellement, on ne peut pas. Non, mais... Je te connais très bien. Oui, mais ce n'est pas vrai. Non, mais justement, je te connais que c'est seulement dans quelques conditions, avec des élèves quand on était là. Oui, parce qu'ils travaillent en même temps que moi. Oui, ils travaillent en même temps, c'est ça. Ça t'a gêné toujours quand... Et puis avec les chats, je travaille très bien. Mais vous n'êtes pas des chats, malheureusement. Et moi? Toi? Avec moi, tu peux, non, tu peux pas. Parce que ça m'est arrivé quelquefois quand j'étais derrière, ça t'a énervé. Tu as demandé qu'on change la position, non? Pour que tu puisses travailler en même temps. Mm-hmm. Ils n'ont pas accepté. Mm-hmm. Ils sont méchants, n'est-ce pas, chérie? Et autrement, ça va? Ça va très bien maintenant. Et tu travailles quelquefois un peu? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Vive la paresse. C'est avec cette paresse que tu as fait jusqu'à présent au moins mille choses, mm-hmm. Non? Non, merci. Tu es très douce aujourd'hui et ta voix est si petite. Dis donc. Sois comme tu es normalement avec ton pauvre mari. Je n'ai pas envie d'être énergique en ce moment. Très bien, avec ce bon feu. Mm. Ça, je comprends. A Vera Silva deixou Portugal, como no fim de contas quase todos os portugueses deixam, por esperanças que as montanhas parecem cortar-nos de um lado e o mar conceder-nos por outro. Mas, no princípio da Guerra de 14, quando Vieira vivia com a mãe e uma tia numa casa de campo, e era em Sintra que ela vivia, costumava ouvir ler o Apocalipse à luz das velas. Eu penso que nada menos conforme o Apocalipse do que Sintra, com aquele arvoredo todo britânico, com aquela serenidade de termas e a elegância mourisca que ainda tem. Pois Sintra é uma Granada por acidente e não por efeito de sensualidade. Mas se era em Sintra que Vieira da Silva ouvia ler o Apocalipse, e ainda para mais em espanhol, bastava olhar da janela os muros cobertos de margaridas selvagens para ter um antídoto contra a angústia diante dos olhos. E por isso parece-me que nada há de apocalíptico nos seus quadros. São todos eles um exercício da razão e não uma representação do indemonstrável.
são produto de um intelecto ativo, estreitamente ligado a uma sobrevivência da alma que condensa tempos, lugares e exortações profundas ao nível da revelação. Não tem nada de oratório, são simplesmente a obra de um espírito demonstrativo, ou, podemos dizer, filosófico. Contudo, a Vieira da Silva reagiu um pouco a esta minha impressão e, sobretudo, a esta recusa minha de aceitar que os quadros dela tivessem alguma coisa de apocalíptico. E telefonou-me para me dizer, ou para reafirmar, a sua atitude perante Sintra, que estava tão gravada nas suas memórias da infância, e, em parte, eu rendi-me àquela forma de recordar, porque Sintra, vista por uma criança de 6 anos, numa época de convulsão histórica, em que miséria rodeava e todo, posso dizer, a paisagem, penetrava toda a paisagem e a dominava. Ela falou, de facto, isso é mais importante do que a beleza que nós, num estado de calma e enfim, em que o prazer de observar uma bela natureza se sobrepõe à razão mais forte das circunstâncias. E ela falava-me dos grandes passeios que dava com a mãe, que era uma grande andarilha, e todo o conhecimento que ela tinha daquela região, de todas aquelas praias, de todos aqueles caminhos, dos saloios que passavam em burros e que lhes oferecia uma maçã. E tudo isso lhe dava uma impressão da gentileza de um povo submisso e trágico nessa submissão. Tudo isso de acordo com aquela natureza que parecia vulcânica, mas que não era vulcânica, afinal. E compreende-se que ficasse tão gravado, mas eu continuo a achar que os quadros dela não são apocalípticos. Quer dizer, ultrapassam essa impressão da infância. Não sei se o Arpad teve qualquer influência na aceitação dessas memórias da infância. O Arpad disse-me uma vez que a mulher resiste melhor às vicissitudes do cotidiano e, por isso, é capaz de suportar uma esperança precária durante muito mais tempo. E eu achei que, de facto, que tinha razão, mas para a mulher há uma coisa que é imprescindível. É uma certa pragmática do sentimento. Os homens podem conduzir as mulheres ao movimento definido que contribui para a conservação da terra. Quer seja uma conservação no aspecto científico ou até estético. Mas, para a mulher, o triunfo tem sempre um nome de amor. A sua essência forma-se na servidão do amor. Servidão que não é, claro, que não é um acidente, como no caso do senhor e do escravo, mas que é a sua própria essência. Por isso eu penso que um companheiro, um guia, é tão importante para a mulher. Só ele lhe comunica a ideia de criação e de missão. Que é isso?